Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. Ok, on y va. Hé, hey Noct, on va manger au Crow's Nest? Encore de la... bouffe. Pour grossir, y a pas de meilleure solution. Non. Ouais, c'est pas faux. Merci beaucoup. Vous avez fait tout ce chemin pour moi? Vous inquiétez pas, on va sortir ça du coffre. Inutile de bouger la voiture. Oh. Umbra, content de te voir. T'as quelque chose pour Noct? C'est un bon toutou, ça. Ce chien a un flair incroyable. Oui, c'est l'un des meilleurs messagers qui soit. Comment tu fais pour toujours nous trouver? Attends, bouge pas. Jolie fleur. Je trouve aussi. C'est la même que celle dont on a fait une couronne. Je m'en souviens. Les fleurs de cils. Noctis. Quand tu entreras au Lucis, est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages? D'accord. Et aussi, si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu me le renvoies, après avoir collé quelque chose dedans. Voilà, c'est bon. Fais attention à toi. Au fait, Noct, tu nous l'as jamais montré, ce fameux bouquin? Parce que ça te regarde pas. Bah quoi, c'est un secret? Il nous le dira pas. Maintenant que notre mission est accomplie, en route pour Galdina. Bon, vous êtes tous prêts? Ouais. On y va?
Politique toujours. Dame Luna Freya de Tenebrae a officiellement commenté la signature du traité de paix. C'est avec un grand soulagement que j'ai appris que la menace de guerre s'éloignait et qu'un accord de paix avait été trouvé. Ce sera un véritable honneur pour moi de sceller cette alliance pacifique entre nos deux nations avec mon propre mariage. Je suis consciente que ce changement peut être une source d'inquiétude. Mais oracle je suis, et oracle je resterai. Je tiens à vous rassurer. Ce mariage n'affectera nullement ma vocation. Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages, comme je l'ai toujours fait. Je continuerai à veiller sur chacun de vous. Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Tenebrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage. Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle. Et donc le mariage est dans le traité ? Bien sûr, une simple formalité. Un symbole de paix, comme ils disent. Alors c'est une sorte de mariage arrangé ? La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective. Ça déplaît pas non plus à Noct. T'as dit quoi, là ? Je le veux ? Lâche-moi. Regardez! On voit la mer! Ouais, t'as raison! C'est le quai de Galdina. Ça donne envie de se baigner. Mais derrière, c'est quoi? C'est une montagne, ça? C'est bizarre. Non, c'est une île. Une montagne ou une île, on s'en fiche! Les gens viennent pas pour ça, mais pour leur massage, célèbre dans le monde entier. Et aussi, les crustacés. Leurs fruits de mer sont fameux. Ah bon? J'ai hâte de voir ça. Nous avons intérêt à refaire le plein rapidement. Nous y sommes. Oh. Ah, c'est pas trop tôt. Alors, on met les voiles ? Mon premier voyage en bateau. Un article sur le mariage. La robe de la mariée, ça les passionne. Oh, original comme vêtement. Je suis sûr que le fiancé est pressé de l'avoir habillée comme ça. Mais moi aussi, je veux voir Dame Luna Freya. Tu l'imagines dans cette robe ? On dit qu'elle a été faite sur mesure, par une maison de couture d'Alticia, un modèle unique au monde. J'imagine que la bouffe aussi va valoir le détour, non ? Du sur-mesure pour moi, j'espère. Pourvu qu'il ne joue pas avec. Quelle honte royale ce serait ! J'ai trop envie de manger des fruits de mer d'Alticia. Le poisson de Galdina est célèbre aussi. Le poisson, ça me tente bien. Enfin un repas équilibré. Bienvenue à Galdina. Nous n'avons pas le vent en poupe. Hein ? Le bateau, vous voulez le prendre ? Ouais, pourquoi ? Eh bien, hélas, il n'y en a pas. T'es sûr de ça ? Libre à vous d'attendre, si vous voulez. Personnellement, j'ai mieux à faire. C'est peut-être à cause du traité de paix. C'est quoi, ça ? Une pièce commémorative ? Hein ? Sérieux ? Mais non. Juste de l'argent de poche. Hein ? Bon. T'es qui, toi, au juste ? Je ne suis qu'un humble voyageur. Oh, C'est ça. Oh.
Vous y croyez, vous, à cette histoire de port fermé? Je trouve ça étrange, mais ça a l'air d'être vrai. Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes. Quelle poisse! Pas un bateau à l'horizon. Je comprends pas pourquoi.